Je suis prête à commencer la session. On démarre dans 2 minutes. Bonjour, bonsoir. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est prêt aussi? Il me semble que nous sommes tous ici, sauf Madame la ministre Pisano, qui était appelée pour rejoindre une réunion extraordinaire du gouvernement. Moi, je suis très impressionnée. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir animer cette rencontre avec des panélistes si éminents. Merci de m'avoir donné cette opportunité. J'espère que tout cela sera pour le bien de toute l'humanité. Donc, Excellence, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais que vous écoutiez ma propre langue, donc la langue arabe, parce que nous sommes à la réunion des Nations Unies. Donc, c'est un très bon endroit pour qu'on puisse vraiment parler en nom de toute l'humanité. Donc, moi, je vais parler en arabe. Dans cette situation exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui, notre vie change, évolue dans chaque coin du monde. Notre planète change suite à différents événements et des catastrophes naturelles. Grâce à cela, c'est le sens de l'humanité qui s'éveille. Nous devons donc changer notre train-train quotidien, notre mode de vie. Il y a des personnes qui sont vraiment isolées de leur travail, de leurs écoles. Les centres commerciaux ne fonctionnent pas. Plein d'endroits qui ne fonctionnent plus. Il y a beaucoup de sites, beaucoup d'institutions qui ne sont plus disponibles. C'est un peu partout dans le monde qu'on vit cette situation, suite, bien sûr, à l'apparition du coronavirus. Tout donc change sans précédent. Néanmoins, les technologies numériques ont le potentiel nécessaire pour pouvoir espérer de sortir de la crise et d'épanouir dans l'avenir. Les approches traditionnelles, classiques, ne sont plus valables et nous nous orientons plutôt vers l'approche basée sur les technologies numériques. Nous devrions donc se poser la question, quel rôle vont jouer ces technologies numériques dans un proche avenir, dans différents domaines, donc dans l'éducation, dans les industries, dans l'agriculture? Dans cette nouvelle ère numérique, digitale, qui pose devant nous beaucoup de questions et beaucoup de défis. Nous participons donc à ce débat pendant cette session et nous allons donc traiter différents sujets. Je voudrais commencer par Madame Pouvsy Limbal-Bon-Ngouka, qui est représentante de UN Women, qui est directrice exécutive. Ensuite, Monsieur Yong Li, représentant de UNIDO, donc le directeur général. Bonjour. Enchantée, moi aussi, je suis vraiment ravie. Bonjour, c'est un plaisir de vous voir. Ensuite, Madame Gabrielle Ramos, assistante du directeur général en charge de sciences humaines et sociales de l'UNESCO. Je m'en réjouis de vous voir, Madame.
Ensuite, Mario Simoli de la Commission économique des Nations unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes, l'adjoint du secrétaire exécutif. Est-ce que Monsieur Simoli est avec nous? Oui. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir aussi de vous voir. Et ensuite, Monsieur Andrew Sullivan de ISOC, le directeur général. Voilà, c'est très bien. On vous voit. Merci de nous avoir joints. Ensuite, Monsieur Josh Colmer. Tout va bien? Oui, très très bien. Moi aussi. Donc, vous êtes responsable pour la politique publique au niveau mondial et aussi pour les relations gouvernementales chez Zoom. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Monsieur Rili Lapalainen, bonjour. Directeur pour le développement durable de Fingo. Et Madame Claire Melamed de Global Partnership for the Sustainable Data. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette rencontre avec vous. Avant de démarrer, je voudrais présenter la base pour notre discussion. Donc, nous allons demander à nos panélistes de répondre vraiment de façon très concrète sur la question comment l'Internet ou les technologies liées à l'Internet sont utilisées pour soutenir la cohésion sociale pendant le COVID-19 avec des exemples concrets pour montrer comment l'Internet aide. Aide le développement véritable. Je commence par Madame Fumzile Mbambonguka. Merci. Bonjour, bonsoir. Tous les panélistes, tout le public. Un exemple que je voudrais vous montrer, je voudrais partager avec vous et qui est pour nous particulièrement important, notamment à l'époque de COVID-19, qui est lié à la pandémie de la violence à l'égard des femmes. Donc ça, c'est très important pour beaucoup de femmes partout dans le monde. Il y a de plus en plus d'actes de violence à l'égard des femmes. C'est à l'ombre de la pandémie, c'est un phénomène qui est particulièrement vécu par les femmes. Donc, la fréquence d'attaques à l'égard des femmes a augmenté même à 40%, jusqu'à 40% partout dans le monde. Et il y a une grande panoplie de solutions disponibles. Donc, par exemple, on peut utiliser la fonction de texto qui est liée avec le GPS. Donc, les femmes peuvent demander l'aide ou transmettre les informations sur la personne qui l'attaque. Donc, il est important de créer de lignes d'alarme. 130 pays ont répondu positivement à ce besoin, mais quand même pas tous les pays ne peuvent pas, tous les pays peuvent, ne peuvent pas assurer de bonnes solutions. Et quand même, en coopération avec Evifa, nous avons eu certaines réponses positives. Donc, je pense ici à dans une compagnie comme avec la Corée, la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie et d'autres pays. C'est là-bas où les femmes utilisent largement ce service. Elles ont pu donc transmettre l'acte de violence à l'égard de femmes et utiliser les possibilités existantes. Nous avons aussi un portail partout dans le monde pour sensibiliser les femmes aux services qui sont à leur disposition. Ce portail est mené par Facebook. Cela veut dire que partout dans le monde, nous pouvons accéder à ce
à ce portail avec les informations sur le type de service disponible dans chaque pays. La plupart de femmes dans le monde n'ont pas de smartphone, donc ne sont pas connectées. Nous avons donc besoin de solutions qui seraient disponibles pour les femmes qui n'ont pas de smartphone, qui ne sont pas connectées à l'Internet, pour les femmes qui ne sont pas présentes dans le réseau. Je voudrais apprendre un peu plus. Est-ce que vous avez des suggestions qui pourraient être utilisées? Merci. Madame Fumzilambongouka, et maintenant je donne la parole à Monsieur Yonkli. 1 minute pour vous, monsieur. 1 minute, juste un exemple. Nous n'allons pas donc passer vraiment au cœur du débat, mais juste un exemple. Je pense que Unido est une agence spécialisée qui s'occupe du développement industriel pour soutenir l'objectif 9. La pandémie a mis devant nous des défis importants. Et maintenant, nous mettons en place différentes innovations pour pouvoir appliquer les technologies numériques pour la production industrielle aussi, pour pouvoir gérer les déchets. À part cela, il faudra aussi réfléchir comment on pourrait appliquer d'autres méthodes innovantes pour pouvoir identifier la chaîne d'infection. Un autre exemple est lié au fait que nous utilisons les technologies numériques pour pouvoir assurer le soutien à la production, notamment dans le secteur alimentaire, pardon, agricole. On utilise donc par exemple le système de drones ou l'Internet des objets pour gérer un projet géothermique. En même temps, nous avons créé des méthodes innovantes à des fins pédagogiques, parce que les formations virtuelles dans la réalité virtuelle est une grande force. On peut donc se connecter à tout endroit dans le monde. Et c'est une très bonne plateforme qui était vraiment destinée à cette fin et qui permet aussi l'inclusion sociale. Comme notre collègue de UN Women nous a dit, donc les groupes les plus défavorisés, donc les femmes, aussi les jeunes. Pourquoi? Parce que, par exemple, les femmes travaillent dans l'industrie textile, et elles sont vraiment très affectées par la nouvelle technologie, par la numérisation. Nous avons donc créé un programme spécial pour assurer des formations pour des femmes entrepreneurs, pour améliorer les compétences technologiques, pour saisir les opportunités qui se présentent sur le marché de l'emploi. Il s'agit non seulement de femmes, mais aussi de jeunes gens. Et nous allons bien sûr poursuivre cette approche innovante, compétitive. Nous croyons que c'est un très grand défi pour tout le monde, pour toute la population internationale. Et maintenant, je m'adresse à Madame Gabriela Ramos. Et respectez le temps, vous avez 1 minute, madame. L'animatrice, bon, n'a pas atteint son micro, donc cela fait des bruits. Je dois vous dire que l'UNESCO est une institution qui est liée à l'éducation, les sciences, la communication et aussi aux ressources Internet. Nous nous préoccupons largement de la désinformation qui vraiment accable le réseau. Nous nous préoccupons aussi par de fausses informations, fausses données qui sont vulgarisées. C'est pourquoi nous avons lancé une campagne ensemble avec l'Union européenne pour faire face à cette désinformation en utilisant les mêmes outils que ceux qui sont utilisés pour les théories des complots en utilisant les hashtags. Et nous croyons que cela peut avoir un très bon effet pour lutter contre les informations qui ne sont pas suffisamment prouvées. À part cela, nous avons différentes ressources qui nous permettent de lutter contre la généralisation, de la vulgarisation de fausses informations. Et nous essayons aussi d'utiliser les faits véritables, par exemple, pour
Populariser la connaissance sur la COVID-19, aussi la pédagogie, l'éducation qui vient avec. Et à l'étape suivante, je voudrais vous parler un peu plus sur les recommandations à créer. Donc, je pense que ça sera une très bonne base. Merci, Gabriella. Et maintenant, on passe à Monsieur Mario Simoli. Monsieur Mario Simoli, bonjour. Soyez bienvenue. Même ici, on a parlé par exemple de la zone parallèle. Donc, il y a des gens qui sont restés sans ressources. Il est très difficile pour eux de demander des subventions, une aide financière. Ce sont des sociétés qui existent ou qui n'existent pas, ou c'est un sujet vraiment très difficile. Les plateformes numériques qui sont par exemple accessibles via le téléphone mobile permettent d'être en contact. Mais bien sûr, cela est plus facile dans le secteur de l'informatique, surtout qu'il s'agit de personnes qui sont beaucoup plus performantes pour tout ce qui concerne les questions de l'informatique. Donc, eux, ils savent vraiment demander les subventions ou une aide pour pouvoir survivre. Il est très important aussi que l'accès soit aussi soit accessible aussi pour le secteur informel. La chose suivante, c'est de donner l'accès aux plateformes de façon hiérarchique sans discriminer les petites et moyennes entreprises qui constituent 80% des emplois pour toute l'Amérique latine. Maintenant, doivent vendre leurs produits sur les plateformes Internet, doivent faire face à différentes difficultés bureaucratiques ou autres. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut aussi savoir que ce qui est numérique, le monde numérique, bien souvent génère des problèmes. L'éducation, le travail à distance, ce sont les choses qui touchent le plus les personnes qui sont déjà très affectées. 36 millions d'enfants ont un problème avec cela. Beaucoup de millions d'enfants n'ont pas d'accès à l'éducation parce qu'ils ne sont pas connectés. Donc, tout cela nécessite des changements structurels, mais voilà, c'est juste quelques exemples, c'est tout. Ne t'entendons plus. Il y a quelques problèmes de connexion maintenant. Ben non, on est là. Voilà, donc nous pouvons poursuivre. Et maintenant, Monsieur Sullivan, pour qu'il nous donne ses exemples. Bien sûr. Voilà, donc il y a maintenant cet exemple. C'est ce que l'Internet nous permet de faire malgré la pandémie. Mais bien sûr, je voudrais vous montrer un autre exemple. Par exemple, cette semaine, j'ai eu une malchance. Mon copain a décédé. Sa famille est très dispersée, donc dans différents endroits. Donc, et maintenant, avec les restrictions, les limitations concernant le voyage, le déplacement, tout cela a fait que cette famille ne pouvait pas se réunir pour le funérailles. Le funérailles avait lieu à Ottawa, au Canada. Donc, nous nous sommes rencontrés de façon virtuelle. Bien sûr, cela ne pouvait pas remplacer la présence physique, mais quand même, cela nous a permis de nous voir, aussi de rétablir une certaine normalité en cette période qui est tellement difficile pour nous tous. Donc, il est très important que, voilà, c'est quelque chose que nous pouvons obtenir grâce à l'Internet. C'est un avantage qui nous a pas été donné avant. Si cette chose avait eu lieu il y a 20 ans, 30 ans, je pense que cela aurait été beaucoup plus nuisible. On n'aurait pas pu être en contact aussi.
Partage le souvenir concernant ce copain. Donc ça, c'est très efficace et il ne faut pas l'oublier. L'Internet nous donne cette opportunité qui n'existait pas avant. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour cet excellent exemple. Maintenant, je voudrais poser la même question et aussi de donner un exemple. Je m'adresse maintenant à nos là-bas gauche. Êtes-vous avec nous? Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Oui, je vous vois très bien. Je vois aussi les autres. Donc, quel est votre exemple dans ce contexte-là? Je peux vous donner un exemple au niveau national, c'est-à-dire l'introduction de l'application qui a été téléchargée pour 100 millions de personnes pendant 40 jours. C'est une application de suivi de contact qui a été introduite au mois d'avril, bien sûr. Il y a eu des problèmes, des doutes de la part par des usagers, tout ce qui est au type d'informations qui sont utilisées, qui concernent les usagers de cette plateforme. Et ça nous a donné une information sur l'échelle de ce type d'action. Mais en ce qui concerne à la société civile, nous avons toutes sortes de plateformes de crowdsourcing. Quelles qu'elles soient, elles permettent de rassembler des fonds pour réaliser certains objectifs précis au profit des défavorisés, des plus démunis. Donc, les scénarios sont tels qu'il faut vraiment améliorer le fonctionnement de ce genre de plateforme. Lors de la pandémie, les plateformes sont désormais gratuites, pas de frais administratifs, ce qui signifie qu'il faut moderniser l'accès Internet et démocratiser l'accès de ce genre de services démocratiques. Il faut qu'il y ait suffisamment de canaux qui pourraient nous le permettre pour ce qu'il y ait un accès à bon prix. Chez nous, l'accès à l'Internet est le moins élevé sur une forme dans le monde entier, mais ça ne signifie pas que tout le monde a accès à cet Internet. Il faut que cet outil soit utilisé le plus largement possible, surtout lorsqu'on a ce problème de distanciation sociale. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Rilla Lapalainen. Je voudrais aussi vous demander un exemple concret. Est-ce que M. Lapalainen est avec nous? Oui, j'ai débranché mon micro pour un instant. Merci pour cette question. Je vais essayer de parler de façon concrète. Si l'exemple d'étudiants d'université de Finlande, donc un concept de lien entre la technologie et l'éducation pour obtenir une perspective globale. CodeBus Africa, c'est l'initiative, le nom d'une initiative. Eh bien, les innovateurs finlandais ont permis de découvrir les technologies au quotidien, surtout pour les jeunes femmes dans ce continent, pour leur donner un mieux accès à l'éducation dans l'avenir. Je voudrais aussi me référer à d'autres pays africains. Ça a été d'ailleurs supporté par toutes nos ambassades sur le continent africain. Pratiquement parlant, eh bien, on a aidé les jeunes élèves dans les écoles et même les membres de clubs de jeunes. Grâce à nous, ils ont eu accès à toutes sortes de plateformes de cryptage. 1900 jeunes africains ont participé à ce genre de projet. Une très bonne expérience, un très bon exercice. Nous pouvons aussi le reproduire ailleurs. Merci, merci, Monsieur Lapalainen. Maintenant, passons à Claire Melamed. Est-ce que Claire Melamed est avec nous? Êtes-vous présente? Oui. Merci beaucoup. Notre mandat de notre organisation est lié au travail sur les données et ce qui permet au gouvernement de s'adresser aux groupes défavorisés et assurer la cohésion sociale. C'est très important. Lors de la pandémie, nous avons été invités par l'ONU pour créer un partenariat, surtout pour que les gouvernements, surtout en Afrique, aient un accès aux technologies, aux outils, à l'Internet.
pour assurer les réactions adéquates à la situation liée au COVID. Je voudrais tout particulièrement me pencher sur Sierra Leone, un pays avec lequel nous avons travaillé depuis quelques années dans un tel pays, Sierra Leone, où les problèmes sociaux sont vraiment difficiles. Ici, il y a des problèmes socio-économiques. Il manque beaucoup de données. Donc, si le gouvernement ne voit pas quelque chose reflété par des données spécifiques, on n'est pas capable d'aider des personnes concernées. Donc, on a essayé de puiser des données de plusieurs entreprises pour faire le lien entre les données, pour aussi faire le lien avec l'imagerie satellite. Nous avons puisé des données des opérateurs mobiles et fait le lien entre tout ce type de données pour créer l'image 3D de toute la société. Nous sommes maintenant capables d'actualiser les données à Sierra Leone, avoir toutes les données actuelles sur la population, ce qui a permis au gouvernement de mieux comprendre les problèmes de la société, de leur population. Nous possédons maintenant, par exemple, toutes les informations sur les vaccins, sur la situation générale. Il nous est plus facile d'agir selon les besoins des citoyens. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir très bien présenté les réponses et les exemples sur les technologies numériques qui permettent de mieux se développer dans ces pays-là. Maintenant, passons au cœur du sujet de notre débat. Je vais vous poser la question concernant les mesures concrètes liées à l'activité de chacun de nos invités. Chacun de nos invités va maintenant répondre à une question. Vous avez 4 minutes, c'est votre temps d'intervention. Ma première question est adressée à notre invité, non pas italien, parce que Paola Pisano n'est pas avec nous, mais Dilem Lambonguka, UN Women. Le rapport de la Fondation sur l'égalité des genres signale le fait que les femmes dans le monde entier ont affaire à beaucoup de problèmes, notamment liés à l'accès à l'Internet. Le rapport souligne la nécessité d'aller au-delà de l'accès à l'Internet, mais aussi il faut garantir à ce que les femmes et les jeunes femmes puissent utiliser l'Internet de façon significative. Qu'est-ce que ça veut dire que d'utiliser l'Internet de façon significative? À quel point c'est important dans le contexte de l'Internet étant un impétus à la vie, au développement de la vie sociale. Maintenant, merci beaucoup. Merci de cette question. Tout d'abord, je voudrais féliciter mes collègues de World Web Foundation d'avoir dressé un rapport très bien pensé, bien réfléchi, parce que les femmes ont vraiment besoin d'accès à l'Internet pour faire face à tout genre de défis et de besoins liés à leur développement. Ce genre de fracture numérique est vraiment un fait en ce qui concerne des milliards de femmes, surtout dans l'hémisphère sud du monde, plus de 370 millions de femmes moins que d'hommes n'ont pas d'accès au réseau Internet ou au réseau de téléphonie mobile. Donc, il est très important à ce qu'elle ait cette possibilité d'utiliser de tels gadgets auxquels ont accès d'autres gens dans le monde entier. Il faut que ce soit notre objectif. Il faut aussi augmenter le nombre de femmes ayant accès à ce genre de solutions. Ayant du sens, c'est une activité qui doit avoir du sens. Ça va être assuré par l'éducation numérique et l'éducation en ligne. Je n'ai pas à vous expliquer, parce que vous savez de quoi il s'agit. Nous sommes conscients que c'est un grand problème. Il y a des enfants pour lesquels il y a une rupture éducative maintenant lors du confinement. L'éducation, par contre, des autres groupes de jeunes réalise très bien, continue très bien. Il y a des enfants qui ne sont pas à l'école et entre-temps restent chez eux. Par exemple, des mariages forcés sont de plus en plus nombreux, il y a beaucoup de violence. Donc, vu le fait qu'il n'y ait pas d'accès à Internet,
et le fait qu'elle soit chez eux, ces enfants n'ont pas de contact avec le monde externe. C'est vraiment un désastre pour eux. Pour ce qui est des femmes, eh bien, par exemple, elles n'ont pas accès à des informations liées à la santé. Si elles ont accès à l'Internet, elles peuvent rechercher des informations sur leur santé. Ces informations peuvent les aider. Les aider, par exemple, à mener d'autres types d'activités. C'est une chose très importante. C'est l'une des méthodes de prévention de pauvreté, d'assurer l'accès à l'Internet aux femmes. Et maintenant, l'accès aux finances. Ici, un bon exemple, c'est le Kenya, c'est-à-dire l'accès aux services financiers à travers des services ou des canaux en ligne. Ceci fait que les femmes sont les bénéficiaires les plus importants de ce genre de solution parce qu'elles sont sorties de la pauvreté et peuvent ainsi contrôler leurs revenus financiers et réduire le besoin de se déplacer, de voyager. Elles possèdent aussi leur propre argent et peuvent, grâce à cela, investir dans leur propre entreprise. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles sont tout à fait déconnectées du 21e siècle, ce qui a un impact très négatif sur leur vie et la vie de leur pays. Parce que ce genre de service de connexion Internet a une grande importance. Si nous voulons avoir un traitement égal, il faut aussi assurer un accès égal aux services numériques. Et c'est ça qui est considéré, selon moi, comme un des droits de l'homme. Merci de votre intervention, de l'intervention de Pumzile Mlambo-Ngouka. En ce qui concerne les mesures qui doivent être entreprises, surtout dans les pays où le progrès technique ne s'est pas encore fait, eh bien, elle disait quelles options peuvent s'ouvrir, surtout pour les femmes. Tout ceci pour qu'elles ne soient pas discriminées. Des millions de femmes dans le monde entier sont discriminées à cause des facteurs économiques, sociaux, et donc une meilleure vie dans l'avenir serait grâce à la connexion à l'Internet possible. Maintenant, le représentant de UNIDO, Monsieur Yong Li, le directeur général de cette organisation. Une question alors. Eh bien, l'un des objectifs de votre organisation est de soutenir l'inclusion et le développement durable de l'industrie. Selon nous, quelle est la valeur de l'innovation numérique en ce qui concerne la contribution à un développement durable, stable de toutes les branches de l'industrie, mais aussi en ce qui concerne un partenariat plus accru entre l'industrie et le secteur technologique. Merci. Je vais commencer par trois chiffres. Le premier, l'accès à Internet est en fait l'accès aux technologies numériques en tant que telles en Europe, 80. 6% d'Européens ont un tel accès, seulement une douzaine et quelques en Afrique. Globalement, c'est 20 et quelques pourcents. En ce qui concerne maintenant la question d'accès à l'éducation, eh bien, et aussi le potentiel industriel, eh bien là, nous avons affaire à de grands défis pour la communauté internationale. Et il faut faire tout de notre mieux pour combler ces lacunes, cette fracture technologique et augmenter le potentiel, surtout des pays en développement. Ce sont pour nous des défis critiques. Je suis persuadée que UNIDO fait quelque chose d'innovant pour le réaliser. Nous soutenons le gouvernement qui vise à créer une stratégie de développement industriel favorisant le développement numérique. Nous créons aussi des programmes qui se concentrent sur un tel développement. Déjà, 10 pays en Afrique, d'ailleurs, font partie d'un tel programme, mais aussi des pays d'Asie y participent, ou aussi des pays d'autres régions du monde entier. C'est un processus très important pour soutenir les
gouvernement pour qu'ils développent leur propre stratégie de développement de l'infrastructure numérique et d'investissement dans ces infrastructures. Un autre programme, c'est l'introduction de nouvelles technologies dans l'industrie. Il s'agit de technologies numériques qui reflètent la nouvelle révolution industrielle. On parle ici d'encouragement au développement de la production de façon plus sûre, grâce notamment à l'utilisation de l'Internet des choses. On parle aussi de la création des villes plus sûres, d'appartements plus sûrs. Ce sont des programmes très importants. Ils concernent aussi l'agriculture. Ils sont utilisés très largement. Les technologies numériques y sont très utilisées. Donc, COVID-19 est devenu une grande chance pour que ce développement se fasse plus rapidement et pour qu'on pense comment en même temps éviter les infections. Ici, il y a un grand champ d'activité pour ce qui est des technologies numériques et l'intelligence artificielle. Maintenant, en ce qui concerne le secteur privé, la robotique, la réalité virtuelle, tout ceci permet d'éliminer toute une série de menaces liées à l'activité industrielle ou à la production en général. Maintenant, en ce qui concerne les nouvelles implications de l'espace numérique, du travail numérique, il y a des défis liés à l'hygiène et à la sécurité au travail. Donc, il faut travailler en étroite coopération avec le secteur privé. Nous travaillons aussi beaucoup sur le développement des technologies pour obtenir le bien-être social. J'ai déjà dit que l'éducation numérique et tout ce qui est lié à l'utilisation des technologies numériques dans l'éducation, et bien ici on parle de création de plateformes qui pourraient servir à former dans l'utilisation de la réalité virtuelle, surtout pour les femmes, des femmes, des jeunes femmes, parce que ces technologies peuvent créer de nouveaux emplois. Et nous savons que souvent les emplois occupés par les femmes ont souffert le plus lors de la pandémie. Donc, c'est l'un des projets spécifiques sur lesquels nous nous concentrons. Je voudrais dire qu'en ce qui concerne notre agenda global, nous avons une approche très innovante, surtout par rapport au changement climatique. En regardant le développement industriel, nous savons qu'un tiers des émissions mondiales proviennent de la production industrielle. L'énergie, 30% de l'énergie produite dans le monde entier est utilisée par l'industrie. Donc, il faut surtout réduire les émissions pour ce qui est de la production. C'est pour cela qu'on va promouvoir des nouvelles technologies, des sites de production basés sur les ressources renouvelables pour créer des technologies qui vont nous aider à résoudre des problèmes liés au changement climatique. Donc, la décarbonisation de l'industrie fait partie de l'agenda global. Je voudrais juste brièvement faire un récapitulatif, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'un grand engagement, d'un vrai partenariat sur l'Internet entre la société civile et le secteur privé et public. Il faut continuer ce processus dans l'avenir pour que les changements se fassent, pour construire quelque chose d'efficace en ce qui concerne les technologies et en ce qui concerne le changement climatique. Merci beaucoup, merci. Donc, engagement de plus de personnes dans toutes ces activités, ça peut vraiment être quelque chose de très utile aussi en ce qui concerne les nouveaux emplois et la société civile et sa coopération, c'est quelque chose qui fait partie de nos objectifs et conforme aux objectifs liés au renforcement des groupes les plus démunis dans la société. Merci de ce nouveau sujet. Maintenant, ma question est adressée à Gabriela Ramos qui va nous dire quelles sont les menaces possibles liées
en situation urgente telle que COVID-19 et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les risques qui y sont liés et protéger les droits de l'homme. Donc, quels outils peuvent être utilisés, quelles stratégies et quelles mesures peuvent servir à ce qu'on gère la situation liée aux inégalités de développement? Et comment les technologies peuvent nous aider? Merci, mais je voudrais quand même commencer par quelque chose d'autre. Donc, le contrôle des risques liés à la transformation numérique et aussi à l'intelligence artificielle qui est vraiment à la base de cette technologie, c'est non seulement le défi dans le contexte de catastrophe, parce qu'avant, quand même, nous avons eu un contexte tout à fait différent. Et il est très difficile, c'est vraiment, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup d'outils qui existaient offline, différents mécanismes de réaction, etc., la responsabilité pour différentes actions, la prise de décision au niveau des institutions, des gouvernements, tout cela, ce sont les outils qui doivent être rétablis dans l'Internet. Et nous n'avons pas une compréhension commune des choses. Donc, les grands acteurs comme les États-Unis, par exemple, se focalisent sur l'innovation, donc aide un certain standard pour les industries en Europe. Ce qui est cause un défi plus grand, c'est la sécurité. Nous devons donc avoir une approche commune. Maintenant, dans le contexte du COVID, des grands changements concernant le déplacement dans l'espace numérique avec le suivi de contacts, avec toutes les technologies qui sont utilisées. Tout se passe en ligne, nous collectons énormément de données. Le télétravail, comme nous savons, dans beaucoup de travail, a énormément évolué. L'éducation à distance aussi. Donc, l'accès à ces technologies a largement augmenté. Et tout ce qui se passe dans le... Tout ce qui est confiné maintenant utilise ces technologies pour pouvoir donc survivre. Donc, c'est bien que ces technologies existent, mais sans ce protocole qui fonctionnait offline, qui nous permet de savoir quand telle ou autre information ne peut plus être utilisée pour lutter contre la pandémie, quand elle peut déjà être utilisée à d'autres fins, là, nous devons créer un cadre légal. Et il me semble que UNESCO, je pense que nous sommes assez contents parce que notre organisation, on profite, hein, nous pouvons travailler cette thématique. En 2019, nous avons été demandés de créer le premier standard concernant l'éthique, l'intelligence artificielle, et nous utilisons ce travail qui a été effectué par UNESCO concernant l'universalité de l'Internet, la capacité non technique liée à cette technologie. Donc voilà, donc, c'était un processus d'élaboration de recommandations auquel beaucoup de parties prenantes ont participé. Et nous y avons écrit que l'objectif de toutes ces technologies était aussi de respecter les droits de l'homme, ou même lutter pour les droits de l'homme, pour la dignité humaine, mais aussi la création de nouveaux droits, ceux qui sont très visibles dans le monde numérique. Et les 24 experts qui ont créé ces outils, qui ont créé ces outils, ils ont demandé que l'UNESCO non seulement définisse de quoi nous parlons, mais aussi quels sont les outils, quelles sont les règles que nous pouvons utiliser. Donc, par exemple, la transparence ou les mécanismes, la proportionnalité. Donc, différentes questions qui vous sont bien connues, la gestion des données aussi, parce que nous sommes toujours en retard pour la gestion des données. Comment nous pouvons savoir que telle ou autre personne est vraiment le propriétaire de telle ou autre donnée et qu'elle ne va pas utiliser ces données à de fins commerciales, par exemple. C'est pourquoi il a fallu donc réfléchir pour inventer des politiques bien concrètes, et bien sûr, telles que, par exemple, l'éducation, la culture et autres. Et nous avons demandé quels outils pourraient être créés. Maintenant, c'est avec un grand plaisir que je veux partager avec vous cette nouvelle que nous
Quand aussi une évaluation d'influence, donc c'est un document qui est très important à mon avis, qui concerne non seulement la fracture numérique dans le contexte de sexe, mais aussi l'impact sur l'environnement et aussi il prend en compte le cycle de vie de l'intelligence artificielle, les études la concernant, les mesures d'impact, l'apprentissage par machine, etc. Donc, nous avons besoin d'un outil qui nous permettrait d'incorporer les questions éthiques dans tout ce que nous faisons pour que cette technologie extraordinaire serve, soit, au profit du bien, non pas du mal. Je vous remercie. Et voilà, donc ça, ce sont les questions qui peuvent bien sûr se traduire par certaines solutions qui nous permettraient de résoudre les problèmes économiques ou autres, notamment en ce qui concerne ce contexte tout à fait nouveau, ce domaine tout à fait nouveau du fonctionnement de l'homme. Mais si nous parlons des technologies vertes, qui peuvent aussi parfois permettre un meilleur fonctionnement dans le contexte du climat, et merci d'avoir mentionné ce nouveau document UNESCO qui, bien sûr, au niveau des différents pays, aura une grande importance, notamment là où le rôle des technologies est moins important. Et maintenant, je m'adresse à Mario Simoli. Donc, Mario Simoli, l'Amérique latine et les Caraïbes, c'est une région qui connaît des grandes inégalités, une grande pauvreté. Donc, comment les technologies peuvent être utiles et comment les technologies numériques peuvent aussi favoriser le développement de la société civile et le développement des sociétés en général en Amérique latine. Merci pour cette question. Les processus sont très importants, donc nous ne pouvons jamais oublier la technologie, mais ce n'est pas que la technologie donne toujours des effets positifs. Les technologies peuvent aussi faire croître les inégalités. Donc les technologies en tant que telles ne sont ni bonnes ni mauvaises, tout dépend de l'utilisation. C'est pourquoi il faut donc repenser le processus d'inclusion sociale dans le contexte des technologies. L'Amérique latine a besoin d'un marché numérique beaucoup plus large parce que chaque pays est trop petit pour le faire. Donc, aucun pays ne pourra créer ce marché séparément. Mais créer un tel marché pour toute l'Amérique latine basé sur la même langue, sur la même mentalité, je pense que ça, ce serait quelque chose qu'on pourrait réussir si on faisait ce processus de digitalisation dans différents domaines avec le même standard, avec l'accès mutualisé, avec je pense aussi aux relations avec le secteur financier. Cela pourrait beaucoup aider l'Amérique latine, y compris dans le contexte de l'inclusion sociale. Nous avons donc besoin d'un modèle pour les petites et moyennes entreprises, pour qu'elles puissent accéder à pied d'égalité au marché, y compris au marché numérique, pour que les économies les plus petites et les plus grandes de cette région puissent utiliser ces solutions de la même façon. Il était impossible de parler de l'inclusion sociale sans cet accès donné à tout le monde. Donc, je mets en relief encore une fois le rôle de ces moyennes entreprises. Nous avons besoin d'une politique publique pour le faire et aussi le rôle important et actif du gouvernement, mais aussi la politique industrielle technologique visant l'inclusion sociale. Une plus grande productivité, une plus grande inclusion sociale, tout cela nécessite que tous les secteurs et toutes les sociétés soient incluses. Merci. Merci d'avoir débattu tous ces mécanismes d'inclusion sociale. Nous parlons aussi de plans d'intervention efficaces
pour lutter contre les inégalités sociales dans cette partie importante du monde. Et maintenant, je m'adresse à Monsieur Andrew Sullivan. Alors, monsieur, quelles sont les caractéristiques de l'Internet, les caractéristiques de base qui font que l'Internet est devenu la base du développement social? Il me semble que ça, c'est vraiment l'essentiel de notre discussion, parce que l'Internet est devenu très important, il a été très important d'ailleurs pour le développement de l'humanité, et il est très important pour nous aujourd'hui, actuellement, pendant la pandémie. Cela résulte de certaines caractéristiques de l'Internet. Donc, l'Internet est une technologie tout à fait extraordinaire. Nous parlons comme si c'était une chose unique, mais en fait, il englobe différents réseaux qui sont desservis conformément aux priorités individuelles, mais il utilise quand même les bases communes. Donc, de façon à ce, pour que tous ces réseaux puissent coopérer. Et cette coopération a certains avantages, donne certains avantages qu'aucune autre technologie de réseau ne nous donne. Nous parlons de ce réseautage qui permet un contrôle, une sorte de contrôle. Ce sont aussi deux briques, deux éléments qu'on peut mettre ensemble. Il y a un langage commun des différents protocoles Internet qui permet d'avoir une connexion commune. Nous avons ici affaire à cette innovation qui ne nécessite pas un accord d'une autorité centralisée. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est essentiel pour Internet. Grâce à cela, les nouvelles idées peuvent être mises en avant. Ça peut être bien sûr devenir un défaut finalement, parce que parfois il y a de choses qui sont favorables, d'autres qui ne sont pas favorables. Dans tout cela, il y a une liberté de créer de nouvelles choses, de créer de nouvelles solutions sociales, économiques pour les gens. Donc tout cela nous a permis de créer une technologie qui nous a permis, par exemple, le funérailles dont je vous ai parlé avant. Voilà, donc ce sont les choses qu'on n'a pas vues avant. Ce que nous voyons ici, les défis qui sont devant nous sont, face à cela, on a cette tendance à réguler certaines choses. Et ces régulations, tentatives de régulation, ne doivent pas nécessairement prendre en compte cette nature, ces caractéristiques de l'Internet. Et finalement, on risque de perdre ces avantages de base que l'Internet nous fournit. On pourrait les faire même avec de bonnes intentions, en bonne foi, en essayant de résoudre les problèmes qui se posent devant nous. Peut-être nous utilisons des outils qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas adaptés. Nous essayons de développer quelque chose de physique, par exemple, bâtir un aéroport ou un gazoduc ou quelque chose d'autre. Donc d'abord, on commence par une évaluation environnementale pour savoir si c'est une bonne idée ou non. Et nous, en tant qu'association, nous avons créé un outil à peu près similaire qui se réfère à Internet. Donc un outil qui permet de faire une évaluation environnementale de l'Internet, qui nous permet d'avoir une évaluation d'une nouvelle politique, d'une nouvelle démarche, qui, par exemple, pourra résoudre un certain problème sociaux. Et nous regardons si cette solution est vraiment la meilleure possible ou non, ou si on pourrait faire mieux. Donc, c'est un outil qu'on pourra utiliser pour que le développement social soit poursuivi, parce qu'il n'y a pas de doute que c'est l'une des technologies les plus humaines jamais créées. L'Internet est avec nous, il existe pour unir les gens, et non pas pour être un jouet technologique. Il a connu un succès parce qu'il nous donne tous ses avantages et nous devons le savoir. Nous ne pouvons pas l'oublier. Il faut aussi savoir que les décisions que nous prenons concernant le développement futur de l'Internet ne vont pas donc saboter les fondations de l'Internet. C'est pourquoi, à mon avis, il faut faire ces analyses de l'impact, les analyses, les évaluations environnementales
avant de mettre en place tel ou autre changement politique qui risque de modifier l'Internet, parce qu'on risque de perdre ce développement qui nous est assuré par l'Internet. Nous avons le plus souvent donc les gens qui ont un problème, quelqu'un d'autre a une idée comment résoudre, et ça, historiquement parlant, c'est comme ça qu'on réussissait à faire. Je pense que c'est comme ça qu'on doit aussi procéder dans l'avenir, parce que l'Internet donne aux gens la possibilité d'agir. À mon avis, ça, c'est la meilleure façon de faire. Merci, Monsieur Sullivan. Nous devrions aussi avoir l'accès à ce type de technologie. Et bien sûr, nous savons que les technologies doivent être promues, développées. Et maintenant, je passe à la personne suivante, à la question suivante. Monsieur Aruna Bagosh. Alors, comment les pays développés en voie de développement peuvent utiliser les technologies numériques pour que tout le monde puisse accéder à l'électricité, à l'eau propre, aussi à l'époque de catastrophes et d'autres événements défavorables. Merci pour cette question. Au début, je voudrais constater que je suis en charge de la commission pour l'électricité et l'eau propre en Inde, mais aussi dans d'autres pays. Mais pour répondre à votre question, je voudrais souligner quatre idées principales qui ont pris de l'importance pendant la pandémie ou plutôt pendant la relance qu'on attend. Donc, tout d'abord, la question de l'électricité, de l'alimentation, notamment pour le groupe le plus défavorisé, vulnérable. Donc, comment l'Internet peut nous aider, notamment dans le contexte de la pandémie. Et ici, il y a une chose qui se passe de plus en plus, c'est que lorsque nous avons affaire à des sociétés, des populations qui vivent un peu éloignées, il y a une forte utilisation de paiements peer-to-peer. Donc, les transactions, par exemple, sur de petits marchés, c'est une bonne façon pour développer moins de réseaux électriques et pour augmenter l'accès aux réseaux, l'électricité, et ces mini-réseaux peuvent après être connectés à une infrastructure plus large. Par exemple, ici, là où je suis, nous avons une première société de distribution qui utilise cette technologie pour faire ce peer-to-peer de l'énergie solaire aussi. Donc, ils utilisent une énergie propre pour vraiment atteindre le groupe défavorisé et vulnérable. Pour que cette infrastructure soit accessible aussi auprès de ces populations. C'est 6 mégawatts de l'énergie solaire qui sont déjà traités de cette façon. Donc, on parle ici de populations vraiment importantes parce que nous avons tout un État en Inde qui a créé un cadre légal permettant de contrôler cet échange peer-to-peer. Donc, les marchés sont déjà mieux réglés, mais aussi plus efficaces du point de vue énergétique. Donc, c'est juste un exemple. Un autre exemple, c'est comment réagir en situation d'urgence. Bien sûr, la pandémie est l'une des situations de ce type, mais l'un des panélistes a déjà mentionné que le changement du climat est aussi une autre situation d'urgence dont nous sommes témoins pendant les catastrophes naturelles. Comment donc faire pour que nous puissions utiliser davantage les technologies numériques pour soutenir les populations vulnérables. Donc, notre organisation a proposé un système de contrôle, de surveillance basé sur la base des données actives concernant les catastrophes des météorologiques ou naturelles. Nous utilisons aussi une sorte d'atlas météorologique. C'est quelque chose qui n'a pas existé avant. Nous avons réussi à créer cette solution
Nous sommes donc en mesure de définir, de déterminer exactement quel type d'événement météorologique va avoir lieu, où et quand. En fait, je viens ici au troisième point, donc le système de surveillance qui permet de mieux diriger le service de sauvetage qui doivent intervenir après ces types de catastrophes. Donc, si nous faisons des investissements pour qu'en fait on puisse réagir, cela va nous donner un retour sur investissement de 2 dollars pour chaque dollar investi. Nos investissements peuvent aussi finalement apporter des économies, des millions de dollars. Encore une chose, comment donc défendre et sécuriser les petits agriculteurs, donc par exemple l'eau d'irrigation qui c'est l'eau provenant du sol. Et il y a aussi un fort potentiel pour utiliser l'eau de surface pour les irrigations, mais cela n'est pas suffisamment utilisé. Il existe donc ce potentiel qui est sous-utilisé pour l'instant. Si nous sommes en mesure d'utiliser le réseau existant pour contrôler l'état du sol, donc là, les infrastructures pourraient être utilisées pour garantir la quantité d'eau suffisante. Et c'est le secteur, la filière agricole en Inde est particulièrement résiliente, même si d'autres filières souffrent énormément. Donc voilà, cela nous permet aussi d'aider les petits agriculteurs. Et puis la quatrième idée, ce sont les petites et moyennes entreprises et aussi micro-entreprises. Nous avons déjà eu quelques exemples bien intéressants. Et pourquoi ce secteur est tellement important? Notre collègue de l'Amérique latine l'a déjà mentionné, mais nous proposons une sorte de système informatique holistique qui permet d'identifier, donc en fait en utilisant le système d'encouragement. Il s'agit d'une plateforme qui recueille les données concernant plus de 60 millions de petites sociétés et micro-sociétés dans notre pays, pour collecter des informations sur la façon dont elles utilisent les énergies, comment elles payent leurs taxes et combien, et aussi pour leurs employés, pour que dans les situations urgentes, le soutien pourra être offert à ces sociétés concrètes ou à leurs salariés. Donc, quand nous parlons de l'accès à l'énergie, aussi à la création de systèmes de paiement pour les petites sociétés, ou si nous parlons de systèmes de surveillance dans les situations d'urgence, ou les systèmes d'irrigation, ou aussi le soutien donné aux petits entrepreneurs, partout dans tous ces domaines, le rôle de l'Internet des choses, des objets, pardon, aussi de systèmes d'information plus larges, est vraiment une bonne façon de faire. Merci beaucoup. C'est un expériment très constructif, très intéressant et très efficace. Alors, c'est bien que vous arrivez à appliquer ce genre de mode de fonctionnement dans un pays tellement peuplé, et espérons que ça va avoir un impact sur l'amélioration de la vie quotidienne de vos citoyens. Merci à vous. Maintenant, la question suivante s'adresse à Josh Calmer. Nous revenons au débat sur l'inclusion numérique. Comment les entreprises technologiques peuvent-elles travailler et coopérer entre elles-mêmes, mais aussi avec d'autres parties prenantes, pour que cette connexion soit de plus en plus large possible dans l'avenir le plus proche? Merci beaucoup, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais me concentrer ici sur l'exemple de l'éducation parce que c'est le domaine où les entreprises telles que la nôtre ont beaucoup de chances de développement, surtout lorsqu'elles travaillent avec les gouvernements et les ONG. Les sociétés technologiques
ont une approche très défensive lorsqu'elles ont à travailler avec des gouvernements en voyant seulement les risques qui peuvent se présenter, en loupant les chances qui peuvent apparaître. Donc, il faut investir dans la confiance de ce genre de relation pour fonder un partenariat crédible. Ça va permettre vraiment à toutes les entreprises et au gouvernement. Et je pense que l'éducation est un bon exemple ici. Je ne serais pas un bon représentant de Zoom si je ne parlais pas de notre produit, parce que c'est justement comme ça qu'on est capable d'agir ensemble, ensemble pour une cause commune, ensemble avec le gouvernement. Au début de la pandémie, nous nous sommes rendus compte que l'éducation allait vite se transformer, devenir une éducation en ligne dans plusieurs endroits dans le monde. Par contre, les technologies numériques ne sont pas accessibles. Nous soutenons 125 écoles dans le monde entier. Nous voulons leur donner un meilleur accès à l'Internet. Mais donner quelque chose gratuitement à un gouvernement, il ne s'agit pas de cela, ce n'est pas du partenariat en fait, hein, parce que qu'est-ce qui est le plus important, que ce soit en ce qui concerne Zoom ou une autre technologie de vidéoconférence, le plus important, c'est de comprendre profondément les besoins, les priorités des gouvernements et des sociétés, les règles selon lesquelles cela fonctionne, non pas seulement pour réagir à la situation, mais pour agir ensemble, adopter les mêmes priorités, les mêmes valeurs comme les nôtres, en ayant une approche très pratique en ce qui concerne l'éducation. Il ne s'agit pas seulement de vendre Zoom ou le rendre à la disposition des usagers de manière gratuite, mais il faut comprendre de quoi ont besoin les instituteurs, les professeurs dans un pays donné pour qu'ils puissent au mieux utiliser notre technologie, de quoi les fournir pour que les classes virtuelles soient les plus sûres possibles, comment concevoir notre produit pour anticiper les besoins de nos usagers. Gabriella a déjà parlé du contrôle sur les données. Donc, comment le faire pour protéger la vie privée des enfants, pour que personne non autorisée n'entre cette plateforme. Donc, il y a tout un spectre de choses qui ont beaucoup à faire aux valeurs, aux priorités, des économies dans lesquelles fonctionnent les sociétés de technologie. Les sociétés telles que Zoom doivent internationaliser les valeurs et construire leurs produits selon ces valeurs-là. Et c'est ainsi qu'il faut développer les relations avec les gouvernements. Encore quelques mots sur notre entreprise. Nous sommes à nos débuts, le début de notre voyage. Ce n'est que maintenant que nous construisons les partenariats avec les gouvernements, je suis d'autant plus ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour nous, c'est une chose très sérieuse. Nous voulons vraiment développer ce genre de partenariat. Les sociétés technologiques, les ONG, les gouvernements et toutes les parties prenantes doivent ramer vers la même direction. Merci beaucoup. Oui, donc il est vrai qu'il sera nécessaire de faire un effort, un grand effort commun, mais beaucoup a déjà été fait. C'est du bon travail et il faut avoir confiance en ce qu'on fait et faire tout de notre mieux pour assurer un développement durable à tout le monde. Maintenant, merci beaucoup. Maintenant, ma question suivante à Monsieur Lapalainen. Je comprends que bon. Nous essayons de construire un monde plus juste pour tout le monde. Mais quels sont les défis, les principaux défis qui sont sur le chemin vers cet objectif? Du point de vue de l'inclusion sociale, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les technologies numériques nous aident à gérer ces défis et non pas approfondir les fossés entre les gens? Merci pour cette question. Les smartphones ont changé toute notre vie. Il y a maintenant désormais la possibilité de communiquer avec tout le monde. L'information est notre valeur. C'est une réalité tout à fait différente. Et maintenant, beaucoup d'entreprises essayent de s'y adapter. Ce changement peut être comparé à l'apparition de l'impression. Nous ne sommes qu'au début de ce changement.
les centres de pouvoir et gouvernements doivent tenir compte de ces nouvelles forces motrices. Ce nouvel environnement dans lequel nous opérons doit aussi être pris en compte par ces centres de pouvoir, mais il y a aussi une autre tendance à ce que les centres de pouvoir ne se cumulent pas dans certains domaines. Il y a des acteurs qui n'ont pas de pouvoir formel, mais un grand défi. Mais d'autre part, l'impact des individus augmente vu le développement des technologies de communication. Tous les pays sont des environnements très compliqués où les technologies fonctionnent d'une manière précise. Et il y a bien sûr une hiérarchie de pouvoir qui est bien connue, mais maintenant, de plus en plus d'entités peuvent réaliser un pouvoir concret, ce qui rend les choses plus compliquées et donne de nouvelles possibilités d'action au niveau global qui résultent des besoins des gens en ce qui concerne la sécurité. Et en ce qui concerne les négociations de paix, il y a des signes disant que les agendas changent en tenant compte plus des besoins des communautés locales et le dialogue. Grâce à ces activités d'inclusion, nous avons la chance d'obtenir plus de stabilité. Du point de vue des gouvernements, des entreprises, des organisations, il est important de comprendre comment on peut avoir un impact sur cette nouvelle réalité, et une mesure de réaction aux situations de crise, aux changements autour de nous. Dans une analyse de confiance, il s'est avéré que 70% de répondants étaient vraiment conscients qu'il y avait beaucoup de fake news autour d'eux. Ils se soucient de cela. Tout ceci est lié aux plateformes qui fonctionnent sur nos smartphones. Ces plateformes suivent ce que nous faisons et leur logique, en plus, impacte notre activité, l'activité des usagers. Donc, maintenant, on peut dire qu'on a affaire à des sociétés de plateforme. Tom Hendricks a créé une division très intéressante. Il a fait la différence entre le pouvoir ancien et un pouvoir nouveau. Le pouvoir ancien est très strictement régulé, il peut être comparé à l'argent, tandis que le nouveau pouvoir fonctionne de façon différente parce qu'il est comme une rivière qui flotte, comme de l'eau qui flotte. La rivière, son niveau augmente plus il y a de personnes dedans. Donc, une rivière, quand elle flotte, elle a le plus de force lorsque l'eau se déplace, lorsque l'eau flotte. Et ce nouveau pouvoir engage les gens, les individus autour des sujets concrets et utilise l'énergie qu'ils puisent de cette activité. Donc, l'exercice de ce nouveau pouvoir, la copropriété, la coproduction, c'est basé sur cela. Tandis que les institutions traditionnelles telles que les journaux, les banques ou bien d'autres formes d'existence ou d'organisation sont ignorées. Ce nouveau pouvoir responsabilise plus les gens, les individus, beaucoup plus qu'avant. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire que beaucoup de choses ont changé lors de la pandémie et donc nous devons désormais apprendre à organiser de manière différente, organiser notre vie de manière différente dans nos pays respectifs. Monsieur Lafarainen, merci beaucoup. Maintenant, une question à Claire Melamed. Eh bien, on peut dire que maintenant, le potentiel de données qui auraient une contribution dans le développement durable n'est pas tout à fait bien utilisée. Qu'est-ce qui peut être fait par le secteur privé pour que les données soient utilisées au bien de la société, au profit de la société. Merci, merci pour cette question. Eh bien, je voudrais tout d'abord dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'on n'utilise pas toutes les données que nous avons à notre disposition. Nous ne les analysons pas de façon
correcte pour qu'elle soit bien utilisée pour, au profit du public. Ce n'est pas une bonne nouvelle aussi du point de vue de la qualité de la prise de décision, mais ça nous donne aussi une possibilité de faire des efforts pour améliorer la situation. Nous travaillons avec les gouvernements dans le monde entier. Nous essayons de faire à ce que le secteur à la fois public et privé fasse à ce défi pour qu'on aille plus vers un développement durable. Nous avons déjà une expérience pluriannuelle de ce genre de coopération. Nous avons déjà noué plus de 70 partenariats. Il y en a qui sont plus petits, régionaux, il y en a qui sont globaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sautent aux yeux et il doit se faire encore beaucoup de changements pour que les données soient utilisées de façon correcte. Surtout ici, je parle de données qui pourraient servir au développement de technologies numériques et de l'Internet. Premièrement, ce qui est très important comme dans chaque domaine, c'est le leadership politique. C'est la base de toute mesure. Et ça doit mener à la création de cadres juridiques qui nous donnerait la possibilité d'avoir une interaction positive dans le domaine numérique. Donc, il faut qu'il y ait une concurrence loyale. Et ce qui est très important, c'est qu'il y ait de la confiance publique. Il y a beaucoup de projets basés sur les données qui ont échoué parce que les gens ne donnent pas leur accord à ce que le gouvernement fasse des choses concrètes avec données, introduisent des solutions, des projets concrets qui pourraient être utilisés à bon escient, mais les citoyens ne croient pas en la protection de données et ne croient pas que le gouvernement va les utiliser de façon correcte. Donc, il faut qu'on ait un cadre politique qui garantirait la confiance et une bonne concurrence. Et ce qui est très important, c'est qu'il y ait de la confiance de la part du public. Mais ce n'est pas tout. Souvent, on pense que tout se termine, comment ça se termine sur la politique. Mais il ne s'agit pas seulement de la politique dans tout cela. Il y a des changements culturels profonds qui doivent s'opérer au sein de toutes les institutions concernées, peut-être au sein des gouvernements, parce que les données sont perçues comme quelque chose qui doit être sécurisé, qui est confidentiel même. Les gouvernements ne changent pas de données. Il faut qu'il y ait un changement culturel de mentalité. Les données, ce n'est pas quelque chose qu'on doit surveiller à tout prix. Non, plus on partage de données, plus on échange de données entre nos sources, plus on a de pouvoir. Il s'agit d'un grand changement culturel. Ça doit s'opérer au niveau des gouvernements d'abord. Il faudrait aussi voir aussi ce type de changement au niveau des marchés pour que les profits des marchés soit accessible aux entreprises qui créent des plateformes assurant l'interopérabilité. Il ne s'agit pas donc de créer des jardins secrets fermés. Les entreprises, bien sûr, ont besoin de profit, mais le marché doit se développer de manière à ce que le consommateur encourage les entreprises à faire le lien entre la profitabilité et l'interopérabilité, pour que les sources de données aient un lien commun, mutuel. Donc, premièrement, un changement politique, ensuite un changement culturel qui est le moteur de ces processus. Et troisièmement, selon moi, c'est la démocratisation de la production et de l'utilisation de données. Et un meilleur échange d'outils, plus de confiance. Nous nous rappelons tous des moments où par exemple, lorsqu'on était à l'école, on entendait quelqu'un dire « non, j'aime pas les maths ». Non, ce n'est pas ça l'approche qu'il faudrait avoir. Il faut avoir plus de confiance. Chacun peut utiliser des données et ça peut avoir un impact positif sur la manière de définir sa propre réalité, la prise de décision individuelle. Donc, choses. Premièrement, un environnement et cadre politique. Deuxièmement, un changement culturel qui promouvoit l'interopérabilité, l'échange. Et la troisième chose, la démocratisation pour qu'on utilise tous les outils. Merci.
pour ce qui est, pour que ça soit vraiment bon pour le secteur public et aussi privé. Je pense que ça aurait permettrait un meilleur fonctionnement de l'économie, de toute la société. Merci pour cet échange vraiment très fructueux. Concernant le rôle de l'Internet et de nouvelles technologies, un sujet important pour contribuer au développement durable. Maintenant, nous passons à la dernière question de cette session que je vais poser à vous tous et chacun de vous sera demandé d'apporter une question, une minute par personne. Donc, nous allons. Paola Pisano n'est pas avec nous, donc elle est toujours absente. Je m'adresse donc à. Je m'adresse donc à la personne suivante, Claire. Donc, je m'adresse à Claire. Il y avait des coupures, malheureusement, on n'a pas entendu vraiment la question. Mais une recommandation de chaque personne, une recommandation, comment faire pour que l'Internet fonctionne mieux pour le bien de la société, en faveur de la société civile. Donc, une recommandation, chaque personne. Mais j'ai déjà parlé un peu de cela, j'ai parlé un peu du secteur public et privé, et maintenant je voudrais revenir à la société civile. En tant que quelqu'un qui est très impliqué dans le travail avec la société, avec le gouvernement, je vois parfois ce manque d'engagement de la société civile et je voudrais bien que cet engagement augmente avec les sécurisations que nous voudrions voir. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit d'accord, mais une voix plus, en fait, mieux entendue de la société civile, ça serait bien. Je pense que le gouvernement qui irait dans ce sens aurait aussi un appui plus fort. Cela nous permettrait d'avoir des résultats vraiment profitables pour tout le monde. Donc, je suis pour une voix vraiment très forte de la société civile. Merci. Et maintenant, Bonzila Mlambongoka, encore, oui, la même chose, une recommandation. Une recommandation, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais voir plus d'interventions au niveau de régulation qui pourraient aider, encourager les efforts faits du côté du secteur privé, de communauté locale. Je voudrais aussi qu'il y ait plus de coopération entre le secteur privé et le secteur public pour que les personnes qui habitent éloignés de technologies pourraient y accéder. Je voudrais aussi voir plus d'investissements dans la construction de réseaux de jeunes gens pour utiliser les jeunes qui sont vraiment intéressés, qui veulent participer de façon efficace à ce monde technologique. Donc, ça sera une sorte d'écosystème qui renforcerait ces éléments constitutifs hein, pour que différents acteurs se renforcent les uns les autres avec l'idée d'améliorer la participation dans les technologies de open source bon marché. Merci. Et maintenant, Monsieur Lee, de mon expérience, je peux vous dire. En ce qui concerne les technologies numériques et le développement de ces technologies, et aussi la nouvelle révolution industrielle, je pense qu'il y a ce goulet d'étranglement, c'est-à-dire les infrastructures numériques. Je suis convaincue, profondément convaincue, que le gouvernement devrait jouer le rôle crucial sur ce point en coopération avec les sociétés privées pour créer des infrastructures numériques
comme pour les autoroutes ou le chemin de fer. Hein. Donc, sans infrastructure numérique, toutes ces nouvelles technologies ne pourront pas fonctionner, ne pourront pas être utilisées correctement. Et ici, même différentes formations ou l'éducation ne pourra pas être utilisée sans cela. Donc, c'est la vraie base. Je suis convaincue que le gouvernement doit ici jouer un rôle important, assurer un soutien financier. Le secteur privé sera un acteur important. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment crucial lorsque nous parlons des infrastructures numériques et de technologies numériques. Et aussi l'utilisation et la mise en place. Et aussi, si nous parlons de combler de fractures numériques. Merci. Et maintenant, la même question. Je m'adresse à Gabriel Ramos. Notre engagement et aussi notre espoir, parce que nous sommes une association internationale, donc nous espérons que les outils concernant par exemple l'éthique ou l'utilisation des AI. En 2015, nous avons par exemple créé un cadre général de l'Internet que nous les avons soumis au secrétaire général avec la feuille de route. Nous avons aussi parlé de l'intelligence artificielle. Tous ces outils ont déjà été créés, tout cela a été créé pour que les gens soient vraiment en milieu. Donc, ce n'est pas uniquement de maîtriser les technologies et protéger nos propres droits et la dignité humaine, mais aussi pour former les technologies et la révolution numérique. Et cela me paraît très important. Nous voulons donc que nos instruments aient l'importance. Nous allons donc contacter différentes parties prenantes pour leur donner la possibilité d'utiliser les technologies, parce que ça, c'est la première chose, la chose la plus importante, mais nous voulons leur donner aussi la possibilité de former la révolution numérique pour que les femmes, les minorités ne soient pas absentes, pour que le Sud global ne soit pas absent non plus. Donc, il est très important que tous ces groupes comprennent les avantages que les technologies peuvent apporter dans leur vie et pour qu'ils sachent protéger leurs propres droits. J'espère que l'UNESCO va toujours aller dans ce sens. Merci. Merci. Et maintenant, Mario Simoli. Merci pour cette question. Je pense que maintenant nous vivons la situation des crises. Et le gouvernement et le secteur privé doivent donc garantir les services numériques pour toute la population, y compris pour les parties vulnérables de cette société. C'est comme ça que nous pouvons sortir de la crise. Donc, l'accès à ces services Internet est vraiment crucial. Je vous remercie. Maintenant, Monsieur Sullivan, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Merci. La société Internet. Donc, comment ça doit fonctionner? Il faut que les gens vraiment évaluent leur propre politique. Nous voulons donc créer des études de cas qui vont évaluer différentes politiques. Nous allons donc réfléchir comment telle ou autre politique correspond à l'Internet. Nous allons co coopérer bien volontiers avec toutes les personnes qui voudraient faire ce type d'évaluation. Donc, ça, c'est notre engagement. Et maintenant, Monsieur Gauche. Merci. En tant que l'une des institutions majeures en Asie, nous nous concentrons sur la démocratisation des données. C'est notre engagement. Au cours de 10 ans, 10 dernières années, nous avons créé une centaine d'ensembles de données. Nous les avons créées, nous les avons mises à disposition. Malheureusement, on n'entend pas Monsieur Gauche. Non, est-ce que tu nous entends? Non, apparemment non.
Monsieur Arunaba, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, maintenant on vous entend. Donc, je disais que notre engagement majeur est d'avoir donné, de créer l'accès aux données au sens plus large pour que les données soient accessibles pour le large public. Nous avons créé plus d'une centaine d'ensembles de données qui concernent l'accès à l'eau, à l'électricité, la production industrielle, etc. Ce sont donc les données qui peuvent être utilisées pour différentes interventions. Et ça, c'est notre engagement de poursuivre ce travail. Mais je voudrais m'adresser aussi au gouvernement pour leur demander qu'ils fassent que les données créées par les sociétés civiles aient un statut nécessaire. Parce que parfois, il s'agit vraiment des informations bien détaillées, notamment lorsque nous parlons de différentes solutions climatiques qui pourraient vraiment sauver des millions de vies. C'est une donc vision dont nous avons besoin. Donc l'architecture démocratique des données qui pourrait ensuite servir à un grand public avec la participation des gouvernements. Et à la fin, Monsieur Josh Kalmer. Merci. Oui, bien sûr, je ne peux pas me prononcer en nom d'autres sociétés du secteur technologique, mais en nom de Zoom, je peux m'engager que nous allons tout faire pour internaliser les priorités des gouvernements pour créer nos produits de manière à ce qu'ils répondent à ces priorités pour donner les outils pour bien utiliser cela. Et si nous parlons de l'éducation, nous voulons donc créer, je pense que peut-être on pourrait le faire avec les Nations Unies, donc faire une sorte de conférence qui pourrait rassembler ensemble les gouvernements, les sociétés technologiques et aussi les ONG pour pouvoir travailler ensemble dans le domaine de l'éducation, pour voir quels sont les moyens permettant une meilleure inclusion dans ce domaine. Nous voulons donc prendre des démarches bien concrètes et Zoom est très enthousiaste à l'égard de cela. Donc voilà, c'est mon idée pour vous. Je vous remercie. Merci. Et encore la dernière personne. Oui, Monsieur Lapalainen. Deux choses. Donc la première. Donc je reviens à cette société civile que je représente. Je pense que nous avons toujours beaucoup de choses à faire. Donc notre engagement concerne la mise en place de règles du développement numérique. Notre devoir à faire, c'est d'apprendre à faire. Mais je m'adresse au gouvernement pour leur demander que voilà, la société civile a besoin d'un accès réel à ces opportunités. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas dans tous les pays. Beaucoup de données sont collectées par la société civile, comme nous l'avons vu. Voilà, merci. Merci pour tout cela, pour toutes les interventions. Avant de clôturer la session, je voudrais encore vous dire quelques mots. C'est mon propre engagement et je veux le dire en français.
Voilà, donc la session est terminée. Merci à notre animatrice et à tous nos panélistes. Je remercie aussi au public. Merci.